On est devant l'école, tu descends maintenant. Tu descends, tu vas à l'école. Voilà. Il fallait que papa il fasse le con. Déjà, bonjour le vlog. Bonjour le vlog. Il est 8h45. Et là, en fait, on vient de passer devant une école. C'est la rentrée des classes. Sauf que si vous avez suivi les stories cette semaine, bah, Liliana fait sa rentrée des classes, mais avec nous. On va pas épiloguer plus que ce qu'on a fait cette semaine là dans le vlog, ou alors on fera peut-être une aparté plus tard dans le vlog, parce que c'est pas le moment. Mais voilà, du coup, jour de rentrée pour Liliana, 8h45, on va à la piscine. Avec Valentin et Lima. Avec Valentin et Lima, petite activité sportive en famille. Cet après-midi, on va faire l'école. Qui se dit en passant, Liliana a déjà pris énormément d'avance sur le programme de première année de maternelle. Du coup, on est très très fiers d'elle. Le but maintenant, c'est d'y aller tranquillement jusqu'à la fin de l'année. Elle baille, elle est fatiguée parce que c'était dur ce matin, mon cœur, oui. Bah oui. Moi, elle m'a dit, c'est le sommeil. Ah ouais, c'est le sommeil. Voilà. Et attends, d'où elle sort ce mot? Sommeil, c'est pas vraiment un mot qu'on utilise souvent. Non. On dit t'es fatigué, ouais. Ou on dit pas t'as sommeil. Et donc voilà, on est hyper hyper heureux. On vous le cache pas. C'est une nouvelle aventure qui commence pour la famille Hippo. C'est que du bonheur, voilà. Allez, go la piscine maintenant. Regardez qui on est aujourd'hui. Avec les piscines. Ça va les camarades? Ah ouais, oui. Attends, il y a des lits à la piscine. Il y a des quoi? Il y a des lits à la piscine. Pour finir ma nuit. Ici. Ah, este boni. Asfla. Falafala. Allez, tu veux me premier cours d'anglais de l'année. Il est 11h30. C'est la récréation. Bon, je profite, je fais un vlog parce qu'en fait j'ai récupéré ma maman et ma tante. Ouais. Je les ai amenés chez le vétérinaire pour les yeux. À l'heure où je filme, il est 22h40 et chose que je ne fais jamais d'habitude, enfin ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, c'est de prendre mon ordi dans la chambre pour travailler. Et en fait là, je suis tout simplement en train de monter le vlog qui est sorti mardi. Parce qu'en fait, le vlog que là on est en train de filmer, il ne va être que sur lundi et mardi. Parce qu'après, on coupe la semaine en fonction de ce qu'on fait. Parce que cette semaine, on a une grosse semaine. Et bref, il n'y a que des trucs cool qui nous arrivent. Donc du coup, pour pallier au fait que demain, c'est une grosse journée. Chris, il a beaucoup de travail. Moi, j'ai beaucoup de travail. Et on a une soirée. Donc du coup, là, je n'avais pas le choix que de travailler là maintenant. Au moins de faire une plus grosse partie possible du vlog pour que demain matin, il me reste pas longtemps à faire. Donc là, je suis déjà à 12 minutes 34 de vidéo. Et je sais pas si vous allez voir le petit curseur vert qui est là. Attendez, je vous filme dans l'autre sens. Je vous filme dans l'autre sens. En gros, là, comme vous pouvez le voir, ça, c'est le vlog qui est déjà monté. Et tout ça, c'est ce qui reste à visionner et à monter. Donc là, il est 22h41. Je vous le dis, je vais pas le finir pour ce soir, mais j'essaye vraiment d'avancer un maximum pour dire que demain, plus vite c'est fait, plus vite c'est fini. Et voilà, là je sais pas si vous entendez, mais on entend la douche. Chris il vient de rentrer, je pense pas qu'il vous ait filmé, mais il a été déposé sa mère chez elle avec le chien. On vous expliquera peut-être demain si jamais il n'y a pas expliqué, mais en gros du coup c'est pour ça que j'ai profité de faire ça ce soir plutôt que de regarder notre série. Et on vous en reparlera peut-être demain. Mais on est à fond dans une série. Bref, je retourne au montage. Voilà. Bonjour. Je dis bonjour parce que moi, c'est un nouveau jour. Il est 11h. Enfin, il doit être midi moins 10. On a énormément de choses à faire aujourd'hui. Comme je vous ai expliqué hier, Chris a beaucoup de boulot. Moi, je dois faire les valises pour partir demain. Je dois finir le montage du vlog. J'ai une dernière commande à faire
qui a été passée cette nuit, donc je me dis autant la faire, comme ça je dépose tout aujourd'hui, donc du coup je dois déposer les colis de la Joybox, ranger la maison, parce que vous savez que j'aime bien que quand on rentre ce soit nickel. Je dois finir 2-3 machines, parce qu'en fait comme on a fait le tri de la garde-robe de Chris, c'était dans l'ancien vlog. Oui, parce qu'on a fait ça dimanche. Du coup il y a des vêtements à relaver, parce que vous savez, enfin je sais pas vous, mais nous forcément quand tu fais le tri une fois par an, il y a des trucs bah, qui ont l'odeur d'un vêtement qui a pas été porté entre guillemets. Et du coup ben, y a des trucs que, par exemple, moi j'ai récupéré des t-shirts pour mettre pour dormir et tout. Du coup ils ont une petite odeur de garde-robe d'un an. Donc du coup il faut que je mette tout à laver. Donc là j'ai déjà une machine qui tourne ce matin. Hier j'en ai fait deux, dont une avec les rideaux qui étaient dans la chambre. Parce que pareil, je sais pas vous, mais nous en fait on met des rideaux dans la chambre et l'été on les enlève parce que ça sert à rien, il fait chaud quoi. Sauf que en fait cet été ça a été tellement nul, il a fait froid, enfin il y avait des moments où il faisait froid, du coup on a laissé les rideaux. Donc bref, donc même ça je les lave deux fois par an, donc du coup bah là c'était le moment de les laver. Pour dire, beaucoup de machines, j'essaie de faire un maximum avant de partir, comme ça même ça j'ai pas à me les taper quand je rentre. Dans l'idéal il faudrait que j'écrive un peu aujourd'hui, voilà. Et en fait il va être midi, donc tout ça, sachant que ce soir on n'est pas là. Voilà. Et ça va aller, c'est une bonne journée, ça va être quand même productif. Et puis, ben voilà, il faut aussi faire l'école à Lily, évidemment. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on va se faire une petite activité travaux manuels. Bah, je vais réfléchir, je vais voir, mais je vais essayer de lui faire un petit truc qu'elle a jamais fait. Je suis contente. Pareil, j'ai déjà mis les décos de Noël. Non, pas du tout. J'ai déjà mis les décos d'automne. Parce que bah, nous, il faisait super froid du vendredi. Je les ai mis du samedi et en fait, il a commencé à refaire 30 degrés, on n'a pas compris. Mais bon, je les ai laissés. Donc quand la maison sera rangée, je vous montrerai. Parce que là, rien que l'état de la table, enfin, je vous montre. Voilà. Donc là, il y a un petit bout de déco. Tout le reste, en fait, il faut ranger. Et là-bas, j'ai mis une petite déco aussi. Franchement, moi, j'aime bien le rendu. Hein. Mais du coup, je vais vous... Je vais attendre que Chris y descende, parce que là, il est en haut avec la petite. J'attends qu'il descende et je vais voir si vous a expliqué pour la journée d'hier comment ça s'est passé. Et du coup, vous comprendrez pourquoi est-ce que c'est resté comme ça. C'est toi qui as inventé cette chanson ? Oui, c'est bien moi. Tu es une compositrice ? Oui, je veux. Oui, je veux. Comment ça va le vlog ? Oh là 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 là, mais quel vlog celui-là ! Ah, j'ai l'impression que je dis ça toutes les semaines en fait. Ouais. Oui, parce que tu l'as beaucoup dit dans le vlog que j'ai fini de monter. Ah oui, ça je vous ai pas raconté, j'ai mis un temps infini. Il sort quand, mais il est déjà sorti là. C'est déjà mis en ligne. Il faut dire que je puisse le mettre sur les réseaux sociaux. Il a mis une heure à s'exporter sur YouTube. Interminable, j'ai l'impression qu'il allait jamais se faire. Je pense que en fait la connexion dans le bureau elle est pire en pire. Donc j'ai pas filmé pour le vlog hier parce que, alors on vous explique, je devais ramener le chien chez ma maman puisqu'on s'en va à Londres. Et en fait non, tu devais aller aider ta mère pour aller la conduire à un rendez-vous et profiter pour ramener le chien parce que c'était le seul créneau hier disponible parce qu'aujourd'hui on pouvait pas. Hier on était focus sur ne parce que les rendez-vous il y a une heure quoi. Donc du coup on s'est dit rendez-vous, 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 n'oublie pas. Et il est parti sans le chien. Sans le chien. Alors qu'on devait ramener le chien. C'était deux pierres, une. Non. Deux coups, une pierre. Une pierre de coups. Une pierre de coups. Et du coup, en arrivant chez ma maman me le rappelle, donc bah là, pétage de câble, mais bon bref. Du coup, on profite en disant, bah t'as qu'à venir revenir chercher le chien avec nous à la maison. Et en fait, du coup, on a passé toute l'après-midi avec ma maman, en restaurant le soir, la totale. Au final, j'ai ramené le chien le soir et je suis rentré à 22h. Mais comme voilà. On évite de filmer nos parents sur les vlogs, et à notre famille en général, bah, du coup, hier on n'a pas filmé du tout alors qu'on avait fait quand même beaucoup de choses. Ouais. Aujourd'hui, j'avais beaucoup de travail.
Non mais c'est pas... tout à l'heure j'ai filmé et j'ai fait un topo de ce que... Mais surtout on a été vraiment flemmards un peu. Bah au final, bah du coup je vous raconte la valise. La valise n'est pas faite. Tous les trucs, en fait à part faire le vlog et l'exporter, j'ai rien fait de la vraie métier. Oh oui, par contre j'ai fait mes vidéos. Non mais en vrai j'ai galéré moi avec le vlog. Moi j'ai fait mes vidéos je crois. Donc, voilà. Donc là, nous allons manger, prendre à manger à Tao Bento avec monsieur et madame Buzz. Voilà, ça il faut lui mettre. Et ce soir, ah, les gars, j'ai habillé ma fille, j'ai oublié de lui mettre une culotte. En fait, ils ont, donc Chris et Lily ont pris leur douche avant de partir, comme ça ils étaient tranquilles. Et il n'y avait pas de culotte en haut, donc du coup, il lui a enfilé la robe et la culotte était en bas. Et au final, il est parti, enfin il l'a mis dans la voiture sans la culotte. Et c'est moi en fermant la porte, je fais... T'as mis sa culotte, il me dit. Et Lily, bah, dans la voiture, quand je l'ai mise, oui. Elle me fait papa. Je fais quoi? Elle fait, j'ai pas de culotte. Ah bah ouais, bah, elle est en excité. Je pense qu'elle a senti le siège ouais. Chaud sur ses fesses. Enfin bref, allez, jamais j'ai cru que ça allait arriver. Vas-y, une nuit d'enfer. C'est à toi, Chris. Une nuit d'enfer, c'est terrible. Je vais prendre le verre, moi. Moi, je suis grand. Et puis j'ai perdu ma femme. Non, encore perdu, je sais pas de quel est le portrait de à peu près. Non, Flo. Non. T'en as mis deux. T'as pas, tu pas précisé. Si, il s'en met deux. Bah, là, il peut préciser, j'en ai mis deux. Ouais, c'est vrai. Bah, ça va là. Et mon petit. Lui, ça va manger un plus 4. Je demande du rouge. Uno, non, deux. Bah, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. Flo, à toi. T'as dit quoi comme couleur? Du bleu? Jaune. Ça va, en fait, cette fille, elle se fait auto-peur, regardez. Encore une fois, il y a le bruit, ça suffit. Tu pioches jusqu'à temps d'avoir du jaune. Oh. Oh non, là, il est... Je ne colle pas. Ça vient pas. Elle tue Cédric. À toi. Oui,